Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une torche flambeau à l'aide d'un babybel, tout simplement. Donc cette méthode m'a été inspirée par Matt Pascal, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, je mettrai un lien dans la vidéo ou dans la description. Donc on va commencer. Donc avant tout, prendre le babybel, le manger. Une fois le babybel mangé, vous obtiendrez papier plastique et de la cire. Donc simplement, vous prenez un bâton, comme ceci. Vous prenez une feuille de sopalin que vous pliez en deux. Voilà, hop. Prenez le bâton et commencez à l'enrouler un peu. Ensuite, prenez la feuille de plastique, mettez-la comme ceci. Voilà. Prenez la cire, hop, écrasez-la. Le dernier morceau, on le met avec, ça fera toujours du combustible en plus. Et on roule tout ça simplement, comme ceci, voilà. Prenez un bout de scotch. Ce scotch va juste servir à maintenir en fait le papier sopalin, l'essuie-tout, pour que nous puissions en fait mettre du fil de fer comme ceci. Voilà. Donc, prendre le fil de fer. Coupe. Voilà. Et vous commencez par la base, en fait. Voilà. Le but, c'est de le maintenir, mais sans trop le serrer, en fait. Parce que plus vous allez le serrer, et moins la flamme sera belle. Donc comme ça m'a l'air pas trop mal. Ok. Ce fil de fer est un peu rigide. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Donc comme vous pouvez le voir, il est pas vraiment serré quoi. Il est large, hein. C'est juste pour le maintenir, pour pas que ça se barre en couille quoi. Donc comme ça suffit largement quoi, amplement. Donc si vous avez peur, vous pouvez quand même le serrer un peu. Mais bon, c'est pas plus vous serrez et moins ce sera beau. Donc après, vous aurez besoin d'une coupole d'aluminium en fait. C'est un gâteau, une crème brûlée. Donc vous faites un trou au milieu. Vous l'élargissez. Prenez le bâton. Voilà. Et vous le rentrez dedans. Voilà. Jusqu'à arriver à un nœud par exemple. Ensuite, reprenez le scotch. Et mettez du scotch en sorte que ça tienne quoi. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de 3 tonnes non plus de scotch. Hein. 3-4 bouts suffiront. Donc en fait, la coupole en aluminium va servir à vous protéger votre main lorsque la torche sera allumée en fait, comme ceci. En fait, ça, la cire qui coulera, qui s'écoulera éventuellement, sera récupérée dans la coupole et évitera de vous brûler. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Donc à savoir que la prochaine vidéo, ce sera sûrement un embrasement d'un chemin dans les bois la nuit. Avec 10, 12, voire 15 torches de ce genre. Ok, merci, salut, à plus!